Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire encore une fois de plus, du fond du cœur, sincèrement, merci. Merci pour ta grâce, ta faveur divine que tu nous renouvelles encore aujourd'hui, que tu nous renouvelles encore cette semaine, pour poursuivre la marche sur le chemin de la vie que tu as tracé devant nous sur cette terre. Et nous voulons te dire merci car sur ce chemin, nous ne marchons pas comme des aveugles, non. Sur ce chemin, nos yeux sont illuminés par ta lumière qui nous montre où est-ce que nos pieds doivent se poser. Qui nous montre où est-ce que nous devons aller. Et c'est cette parole, cette lumière que nous voulons entendre encore aujourd'hui. C'est pourquoi, Dieu le Saint-Esprit, nous recommandons à toi. Notre prière est que tu nous rendes tous capables de pouvoir proclamer ta parole ce jour et de pouvoir aussi l'écouter. Et ainsi que par ta puissance, toute action de l'ennemi, d'opposition à la proclamation de cette parole, ou à son écoute, soit définitivement anéanti. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur Jésus? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous allons dans Ésaïe chapitre 58. Nous savons qu'il s'agit des recommandations pour le vrai jeûne. Et permettez qu'aujourd'hui nous puissions relire encore à partir du 6e verset. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on égrasse. Et que l'on rompe toute espèce de joug, de fardeau. Partage ton pain avec celui qui a faim, et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui est ton semblable ou ta propre chair. Pardon. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière jaillira comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde ou t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les gestes menaçants et les discours injurieux de rien du tout. Si tu offres à la famille ce que tu désires toi-même, ou ta propre subsistance, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, alors ta lumière se lèvera sur les ténèbres, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, et te rassasiera dans les lieux arides, et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent jamais. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer encore la parole du Seigneur? Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous continuons donc, comme l'avons dit depuis des semaines, à parler sur le vrai jeûne. Le vrai jeûne, tel que notre Dieu lui-même le préconise, tel que notre Dieu lui-même veut que nous puissions le comprendre, tel que notre Dieu lui-même veut que nous puissions le faire. Nous avons longuement parlé sur des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, et cela selon les recommandations de l'Éternel Dieu lui-même. Et nous avons commencé dimanche passé,
même hier encore, à parler sur les objectifs du jeûne et les résultats attendus par rapport à ces objectifs. Bien-aimés, permettez que nous puissions encore saluer la fidélité de notre Dieu et son amour pour nous, pour son alliance. Nous savons que dans l'alliance de notre Dieu, il y a deux choses importantes. La première concerne ses lois, ses commandements, ses préceptes. Et la deuxième concerne les promesses. Et nous savons que le contenu des promesses, c'est ça la bénédiction. Mais nous savons comment Dieu aussi a fait les choses. C'est qu'il a pris la bénédiction, il l'a cachée derrière les lois. En d'autres termes, comme pour dire, tu veux que Dieu te bénisse, commence par obéir à ses lois. Commence par obéir à ses commandements, à ses préceptes. Commence par mettre en pratique sa parole. Commence par conformer ta vie à sa parole. Ainsi, tu vas accéder à sa bénédiction. Et il ne peut pas en être autrement, mon Dieu et mon Père, et mon bien-aimé. Il ne peut pas en être autrement, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu ne peux pas inverser les choses. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, bénis-nous d'abord. Et puis quand j'aurai été béni, maintenant je vais pratiquer tes lois. Non, chaque jour, je dis bien chaque jour, nous avons l'obligation, nous avons la recommandation d'obéir aux lois de Dieu. Donc ta préoccupation de tous les jours, mon bien-aimé, quand tu te réveilles, dans ta prière matinale, tu demandes au Saint-Esprit de te renouveler l'onction, la capacité d'obéir à Dieu, de conformer ta vie à Dieu, à sa parole, à sa volonté, de mettre en pratique ses préceptes, ses commandements. C'est important. Parce que si tu fais cela, Dieu qui connaît tes besoins, qui sait ce dont tu as besoin, c'est que tu manques le jour-là. Mais c'est un peu responsable. Il pourvoira. Il n'attendra pas que tu lui dises, Seigneur, je n'ai pas mangé hier. Comme si tu l'informais, il sait qu'hier tu n'as pas mangé. Mais toi là qui n'as pas mangé hier, toi là qui t'es réveillé avec la douleur dans le corps, il attend de toi aujourd'hui encore que tu continues à lui obéir. Ainsi, lorsque tu vas, pendant que tu as la douleur dans le corps, pendant que tu es affamé, pendant que tu es dans une épreuve quelconque, mais tu lui demandes, non pas la délivrance de l'épreuve, mais la première chose que tu... c'est l'onction, le renouvellement de la puissance pour lui obéir, pour marcher dans sa justice, dans la sainteté, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu ne lui dis pas, qu'hier je n'ai pas mangé. Lui qui sait, il pourvoira, il te donnera à manger. Retenons encore ce matin que notre Dieu a pris la bénédiction. Il a pris la solution à nos problèmes. Il a caché derrière ses lois. C'est la même chose dans Ésaïe 58. L'Éternel, notre Dieu, il ne nous donne pas seulement les recommandations. Dieu ne se limite pas seulement à nous dire, ne faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Non, il ne se limite pas seulement aux recommandations, aux préceptes, non. Mais il met, fidèle à ses principes, il met la bénédiction derrière ses préceptes. Il met la bénédiction derrière ses recommandations. Et il les décrit lui-même. Il dit, voici, si vous faites ça, voici automatiquement ce que moi aussi je vais faire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu ne se limite pas seulement à nous dire faites ceci, faites cela, non. Mais il nous révèle, si vous faites ça, voici ce que je vais faire. Fidèle donc toujours à son principe de prendre sa bénédiction, de la cacher derrière ses lois. Quiconque obéit aux lois, quiconque met en pratique sa parole, automatiquement, il possède l'héritage. Alors, l'héritage, ici,
lorsque nous avons observé le vrai jeûne, c'est lequel? C'est dans cet héritage, c'est ce que nous venons de lire aujourd'hui encore. Si vous vous souvenez encore dimanche, en lisant tout le chapitre et d'autres textes connexes, nous avons compris que dans cet héritage, dans cette bénédiction que Dieu nous donne, quand nous avons observé le vrai jeûne, Dieu dit que notre lumière va s'élever, va jaillir. Dieu nous promet la restauration, non seulement de nos propres vies, mais la restauration des vies des autres. Le Seigneur nous promet l'élévation. Il dit dans Isaïe 58 que je t'élèverai sur les hauteurs du pays. Il s'agit de l'élévation dans différents domaines de la vie. Dieu nous promet une vie fructueuse, une vie bénie, une vie glorieuse, une vie victorieuse, prospère. Oui, il dit que tu seras comme un jardin arrosé. C'est-à-dire ta vie sera comme un jardin arrosé. Comme une source d'eau qui ne tarisse jamais. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, une vie rayonnante, une vie bénie en abondance, une vie qui ne connaît jamais de sécheresse. C'est ce que notre Dieu nous promet. Il dit, tu seras comme un jardin arrosé. C'est-à-dire, ta vie sera semblable. Un jardin qui est arrosé, que ce soit pendant la saison de pluie, que ce soit pendant la saison sèche. Mais les légumes, les plantes, les arbres sont toujours verdoyants. Ils portent toujours du fruit, malgré la sécheresse. Une source dont les eaux ne tarissent jamais. Dieu nous promet la direction divine. Il dit, ton Dieu sera constamment ton guide. Il te guidera, il t'orientera, il te montrera le chemin à suivre, il t'instruira. Il te montrera ce que tu dois faire. Il sera ton meilleur conseiller. Dieu nous promet, je disais, non seulement la restauration de nos propres vies, mais celle des autres. Quand je t'aurai restauré, tu seras le réparateur des brèches. Il dit, tu répareras les brèches. Tu vas amener la restauration dans les vies de tes frères et sœurs, de ta famille, de ton clan, de ton pays, de partout où tu vis, dans tout ton environnement où tu te trouveras, tu seras le réparateur des brèches, le restaurateur des vies. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit, quand tu vas observer le vrai jeûne, tu y appelleras et je répondrai. Tu crieras, tu feras appel à moi, tu m'appelleras au secours, je viendrai. Comme pour dire, ta prière sera exaucée. Ta prière sera exaucée. Dieu nous promet la guérison, la protection de nos vies. Il dit, ta guérison germera promptement. Ah, c'est pourquoi nous croyons encore, bien-aimés, vous qui êtes avec nous, à la NCD, chef Katanga numéro 3, nous croyons, bien-aimés, que cette semaine ne va pas se terminer sans que beaucoup de nos maladies, sinon toutes, soient et libérées nos corps définitivement. Ah, nous croyons, bien-aimés, qu'il n'y a personne d'entre nous qui quittera cette semaine encore avec cette maladie, même si on l'a déclarée incurable. Notre Dieu nous fera grâce. Il dit, quand vous allez jeûner, observez le vrai jeûne. Voici ce que je vais faire, moi, l'Éternel. Je vous guérirai. Votre guérison germera promptement. Votre guérison germera. Nous croyons en cette parole. Nous croyons à la fidélité de notre Dieu. La Bible dit, il est fidèle à sa parole. Hébreux 10 déclare quoi? Tenons fermement notre espérance. Soyons fermes dans notre espérance en l'Éternel, en son alliance, en ses promesses. Pourquoi? Parce que lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ah oui, bien aimé, nous l'avons toujours dit. Il n'y a pas
une seule parole, une seule promesse que l'Éternel Dieu a faite à son peuple, à des hommes, à des femmes, qui n'a pas accompli. La Bible, elle est là. Toi qui ne crois pas, est-ce que tu peux nous montrer une seule promesse, une seule parole que notre Dieu n'a pas accomplie? Mais toi et moi, nous savons que de la Genèse à l'épître de Jude, toutes les paroles sorties de la bouche de l'Éternel notre Dieu, sorties de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu les a accomplies. Et c'est pour cela que nous avons toujours dit, s'il a accompli tout ce qu'il a dit de la Genèse à l'Apocalypse, à Jude, et qu'il continue à l'accomplir jusqu'aujourd'hui, la parole de Dieu continue à s'accomplir, mon frère. Ça ne veut pas dire que Dieu a accompli seulement dans la Bible, ça s'est arrêté là, non. Genèse 1, 28, la Bible dit que Dieu bénit Adam et Ève, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais jusqu'aujourd'hui, les bébés naissent à la maternité et les bébés naîtront jusqu'au jour où Dieu mettra fin à l'humanité. Genèse 3, il dit quoi? À l'homme, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Jusqu'aujourd'hui, aller à la mort, aller au cimetière aujourd'hui. Cette parole continue à s'accomplir. Et ce sont des exemples qui démontrent, nous l'avons toujours dit, que le Dieu de la Bible, c'est lui le vrai Dieu, mon frère. Parce que lui, non seulement il a parlé, mais sa parole qui a créé l'univers, qui a créé le monde, qui a créé les hommes et les femmes, c'est cette parole qui continue à gérer les vies des hommes, à organiser les vies des hommes. Les vies des hommes continuent à démontrer ou à obéir à cette parole. C'est pourquoi, bien-aimé, crois au Dieu de la Bible et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et la liste est longue de ces objectifs du jeûne. Nous avons dit qu'ils sont des objectifs généraux. Donc, cette bénédiction-là, Dieu la promet à tout le monde, mon frère. Tout le monde a besoin de la guérison. Tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la restauration. Tout le monde a besoin de la lumière de notre Dieu, qui est notre Dieu d'ailleurs. Tout le monde a besoin de l'élévation. Tout le monde a besoin de la prospérité. Une bénédiction globale. Et vous allez voir, parce que quand nous jeûnons, chacun de nous a aussi ses objectifs particuliers qui sont liés à nos vies individuelles. Mais vous allez vous rendre compte que ces motivations individuelles, personnelles, s'inscrivent, mon frère. Celui qui va jeûner pour dire « je suis malade », pour lui, la motivation personnelle, c'est la guérison. Mais Dieu parle dans Isaïe 58 de la guérison. Les célibataires, les veuves, ceux qui ont des problèmes, je ne sais lesquels. Mais la Bible parle de la restauration. La Bible parle de la restauration. Bien-aimé, quelle que soit la motivation personnelle que tu peux avoir, tu dois savoir qu'elle est incluse dans cette bénédiction globale. C'est pourquoi, surtout toi qui as commencé cette période de jeûne avec nous depuis hier lundi, nous t'encourageons. Notre prière est que par le Saint-Esprit, ta force augmente chaque jour. Comme il est écrit dans Psaume 84, que la force de ceux qui se confient en l'Éternel augmente pendant la marche. Plus ils marchent, plus leur force augmente. Oui, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous a renouvelé l'onction. Il a augmenté sa puissance. Demain, il le fera encore. Le jeudi, il le fera encore. Le vendredi, il le fera encore. Qu'est-ce que notre Dieu soit loué. Que son nom soit béni. Alors nous voulons aujourd'hui prendre juste un aspect de cette bénédiction, que nous considérons d'ailleurs comme étant le plus important. Il s'agit de la lumière. Au verset 8, oui, nous avons dit, Dieu dit ceci, alors ta lumière jaillira, ta lumière poindra comme l'aurore, ta lumière jaillira. Et puis au verset 10 ou 11, la Bible dit,
ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. La lumière qui s'élève, la lumière qui jaillit, c'est encore quoi? C'est encore qui? Bien-aimés, permettez que nous insistions sur c'est qui? Parce que quand nous lisons la Bible, lorsque la Bible parle de la lumière sur le plan spirituel, il s'agit de personnes. Soit notre Dieu, soit nous ses enfants. Soit notre Dieu, soit nous ses enfants. Vous voulez la preuve? Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Si tu lis du 1er verset au 14e verset, tu comprendras que la lumière dans la Bible, son interprétation spirituelle, ne peut pas se faire sans se référer à la personne de notre Dieu, à la personne du Seigneur Jésus. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1er, nous savons la Bible commence par la parole. Cette parole qui était au commencement avec Dieu, cette parole qui est Dieu, qui a tout créé, qui contient la vie de Dieu. La Bible dit quoi? Cette parole, elle est la lumière des hommes. Elle précise que cette lumière a habité au milieu des siens. Vous comprenez? La Bible dit dans Jean 1 que la lumière a habité au milieu des siens. Mais les siens ne l'ont point reconnue. Les siens ont refusé de la recevoir. Mais la Bible dit quoi? Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir. Amen, bien-aimé. La lumière, c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Et le verset 14 dit quoi? Que cette parole s'est incarnée. Elle a pris chair en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, bien-aimé. Ésaïe 58, Dieu dit que quand tu vas observer le vrai jeûne, ta lumière jaillira, ta lumière s'élèvera. Ta lumière poindra comme l'aurore. Quelle est ma lumière? Quelle est ta lumière, mon frère? Qui va jaillir encore? Qui jaillit déjà cette semaine, même où tu jeûnes? Qui jaillira après la semaine, après cette semaine? Elle va jaillir toute ta vie parce que, n'oubliez pas la semaine passée, même dimanche, je vous ai dit ceci. Que les recommandations de Dieu sur les choses à faire, à ne pas faire, mais c'est ce qui caractérise déjà notre vie de tous les jours. Ce ne sont pas des choses à faire seulement pendant que nous jeûnons, comme pour dire avant le jeûne, après le jeûne. Non, nous vivons comme nous voulons, non. C'est ce qui caractérise d'ailleurs notre vie. C'est pourquoi nous avons dit que le vrai jeûne, c'est celui qui est observé par un homme qui est dès le départ juste et saint. Qui est dès le départ juste et saint. C'est cet homme-là qui jeûne et que Dieu a créé. Dieu n'a créé pas la prière des pécheurs. Dieu dit dans Jérémie 14 que même tes holocaustes, toi païen, pécheur, je ne vais pas les accueillir, les recevoir. Donc la bénédiction que Dieu donne, ce n'est pas seulement pendant la période de jeûne, non mon frère. C'est la récompense. C'est la moisson. Si la période de jeûne et de prière, tout ce que nous faisons, c'est une semence. Mais la moisson de cette semence, c'est laquelle? Mais c'est ce que Dieu fait après le jeûne. C'est pourquoi il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore, quand tu auras fait le vrai jeûne. Et ça couvre toute la vie, mon frère. C'est pourquoi nous avons dit que le jeûne et la prière font partie de notre vie à nous, les enfants de Dieu. Nous n'allons pas attendre seulement quand on a des problèmes pour jeûner, non. Ça doit être notre vie de tous les jours, d'une manière régulière. Nous devons observer des périodes de jeûne et prière. Car chaque fois que nous observons le jeûne et la prière, notre Dieu, il nous renouvelle sa bénédiction. Il nous affermit dans cette bénédiction. Amen, bien-aimé. Ta lumière jaillira. La lumière qui jaillit, nous le confirmons encore aujourd'hui. C'est l'Éternel, notre Dieu. C'est lui. Oh, bien-aimé, la Bible dit bien que Dieu le Père est lumière, Dieu le Fils est lumière, Dieu le Saint-Esprit est lumière, puisque c'est la Bible ouverte.
Lisons. Michée chapitre 7, le verset 8. Michée chapitre 6. Michée chapitre 7, le verset 8. On peut commencer par le verset 7. Michée 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alors, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je tombe, je me relève. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Amen. L'Éternel est ma lumière. Ce verset confirme clairement ce que nous venons de dire par rapport à Ésaïe 58, verset 8. Que la lumière, non, ma lumière qui va jaillir après que j'ai observé le vrai jeûne, c'est mon Dieu. Ici, bien aimé, nous connaissons le contexte, c'est quoi? Michée ici, il dit « je », mais il parle au nom du peuple d'Israël. Et l'ennemi ici, si vous regardez bien, c'est au féminin. Ça se rapporte à la nation ennemie, à toutes ces nations ennemies d'Israël, comme la Syrie, comme Babylone, comme les Mèdes et les Perses, comme l'Empire romain, etc. Toutes ces nations qui ont été ennemies d'Israël, qui ont détruit Israël. Alors Michée dit quoi? Il dit, toi la nation qui m'a détruit, tu dois savoir que je me relèverai. Mon Dieu me relèvera. Il est ma lumière. Si toi tu as semé la mort, mais mon Dieu qui est ma lumière amènera la vie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons à nos ennemis, à ceux qui se moquent de nous, à ceux qui se moquent de l'Église de Dieu, à ceux qui se moquent des chrétiens, qu'ils doivent faire attention. Nous avons un Dieu qui est lumière. Il a dit, je m'élèverai. Moi, ta lumière, je jaillirai comme l'aurore. Michée dit, il se lèvera. Mon Dieu est ma lumière. Il me relèvera. Il va me restaurer. Alors, ne te réjouis pas. Ne continue pas à te moquer de moi, toi mon ennemi. Si vous permettez, voici un autre passage. Habacuc chapitre 3. Le verset 4. Habacuc 3, le verset 4. On peut commencer par le verset 3. Habacuc 3, 3. Dieu vient des témoins. Le Saint vient de la montagne des Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa louange remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. La voilà, sa force cachée. Nous pouvons ajouter encore 1 Jean 1, verset 5. Nous connaissons tous bien ce passage où il est écrit, voici la nouvelle que nous avons reçue de Jésus-Christ, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Premier épître de Jean, chapitre 1, le verset 5. Oui, voici le message que nous avons entendu de lui. Lui, c'est Jésus. Et que nous vous annonçons, double point, Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Amen, bien-aimé. Dieu est lumière, dit la Bible. Si vous lisez Apocalypse 22, le verset 5, vous lisez Apocalypse 22, le verset 5, notez, retenez ceci. La Bible dit quoi? Ici, nous sommes, c'est la fin du livre. Ici, nous sommes dans la nouvelle Jérusalem. Nous, les saints, après avoir été enlevés, après avoir passé cette année avec le Seigneur dans les cieux, après avoir passé 1000 ans dans le royaume que nous passerons sur cette terre avec le Seigneur Jésus, la nouvelle Jérusalem descendra. C'est ça l'image du ciel et cela pour l'éternité. Et Apocalypse 22, 5 dit quoi? Que dans cette cité, la nouvelle Jérusalem, nous n'aurons pas besoin du soleil pour nous éclairer. Nous n'aurons pas besoin de la lune, la nuit pour nous éclairer. La Bible, l'éternel Dieu lui-même sera notre lumière. Et Apocalypse 22, 5 confirme Ésaïe chapitre 60, le verset 19 et 20. Ésaïe 60, 19 et 20. C'est la même prophétie
qu'Apocalypse 25, Dieu dit quoi? Dans Ésaïe 58, c'est Ésaïe 60, 19 et 20, la Bible dit que l'été, tu n'auras pas besoin du soleil. Tu n'auras pas besoin de la lune, de sa lumière, non. Ton Dieu sera ta lumière à toujours. Alléluia. Dieu est lumière, c'est Dieu le Père. Jésus-Christ, il est lumière. Nous l'avons lu. Enfin, nous nous sommes référés à cela. Jean chapitre 1er. La Bible dit, ceux qui ont cru en la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La lumière ici, personnifiée en la personne de Jésus-Christ. Et lui-même, Jean 8, 12, nous connaissons, il a dit, moi Jésus-Christ, je suis la lumière du monde. La lumière des hommes et des femmes qui vivent dans le monde. Tout homme, toute femme qui croit en moi ne marchera jamais dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Que les puissances des ténèbres ne régneront jamais, jamais dans sa vie. Elle dit, sa vie sera au contraire illuminée, éclairée par la lumière que je suis. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu nous rejoindre dans le royaume de notre Dieu? La Bible déclare, nous lui rendons gloire, nous le glorifions, nous lui rendons grâce, nous lui disons merci, car il nous a transportés du monde où nous étions esclaves du péché, de Satan, des démons, des sorciers, où nous étions esclaves de la mort, de la malédiction. Mais il nous a transférés dans son royaume où ce n'est plus les ténèbres, la mort, mais c'est la lumière, c'est la vie. C'est pourquoi, si tu peux te rappeler encore ce matin avec nous, Actes chapitre 26, lorsque l'apôtre Paul, il parle au roi Agrippa et lui donne son témoignage. Qu'est-ce qu'il lui dit? Lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a dit ceci, je t'ai choisi du milieu d'Israël et du milieu des païens, d'où où je t'envoie. Avec la mission suivante. Un, pour que tu leur ouvres les yeux. Tu leur ouvres les yeux. Ce ne sont pas les yeux physiques du corps, non. Que tu leur ouvres les yeux de leur esprit. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Car leurs vies sont sous l'influence des puissants des ténèbres. Alors il faut que toi, par ma puissance, bien sûr, par la puissance de ma parole dans ta bouche, de mon esprit saint en toi, tu vas délivrer ces gens. Et s'ils passeront des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, à la puissance de Dieu. Dieu dit, ils recevront par la foi en moi Jésus-Christ le pardon de leurs péchés et l'héritage, leur part d'héritage que l'Éternel réserve à tous les saints. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu le Père est lumière, Dieu le Fils est lumière, Dieu le Saint-Esprit est lumière. C'est pourquoi quand Ésaïe 58, Ésaïe dit que ta lumière jaillira, ma lumière qui jaillit, c'est mon Dieu qui se lève dans ma vie. C'est mon Dieu dans sa trinité divine qui se lève dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, à moins que tu sois devenu fou, à moins que tu sois enorgueilleux, donc enorgueilleux qui t'a rendu fou. Mais si tu es suffisamment humble, tu dois être sage et tu dois comprendre que la vie de jeûne et prière, c'est la meilleure des vies d'un enfant de Dieu. Jeûner et prier selon les recommandations de l'Éternel. Il dit quoi? Je me leverai, moi ton Dieu, ta lumière, je jaillirai dans ta vie. Je me leverai. Bien-aimé dans le Seigneur, que veut dire encore Dieu qui s'élève? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu qui s'élève dans nos vies. La lumière qui jaillit dans nos vies, c'est notre Dieu qui s'élève. Mais Dieu s'élève comment? Mais il s'élève par sa parole. Et là où il y a sa parole, il y a le Saint-Esprit.
Et les deux, il les a mis à notre disposition. Sa parole, son Esprit Saint. Donc quand nous disons que Dieu s'élève, il s'élève dans nos vies par sa parole. Il s'élève dans nos vies par son Esprit Saint. Sa parole est là et son Esprit Saint est là. Et le Saint-Esprit déploie sa puissance et il accomplit cette parole. C'est ainsi que quand pour ceux qui notent, nous voulons leur donner la précision concernant acte 26. Il s'agit, vous pouvez lire à partir du 14e verset jusqu'au 18e verset. 14 à 18, acte 26. Nous sommes dans Ésaïe 50, Ésaïe 60. Je disais que c'est pourquoi. Quand nous allons dans Ésaïe 60, voici ce que dit la Bible. Ici, Dieu s'adresse à Jérusalem, à nous aujourd'hui. La Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Vous comprenez? Sur toi, ton Dieu s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Nous avons dit que la lumière qui jaillit, c'est notre Dieu qui s'élève. Et la Bible le confirme ici. Ésaïe dit, sur toi, ton Dieu s'élève. Mais Dieu s'élève sur nous comment? Dieu s'élève sur nous par sa parole. Et pourquoi Dieu s'élève dans nos vies par sa parole? Pour que nous restions assis. Non, pour que nous restions endormis. Sans rien faire, non. Dieu s'élève dans nos vies avec sa parole pour que nous puissions prendre cette parole, que nous puissions nous appuyer sur la puissance du Saint-Esprit et nous lever aussi. Alléluia. Amen. Permets que je te répète cela. La lumière qui jaillit, c'est l'Éternel Dieu qui s'élève. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'élève. Et il s'élève avec sa parole. Pourquoi? Pour que nous puissions saisir cette parole et nous appuyer sur le Saint-Esprit, sur sa puissance, son onction, et nous lever aussi et agir. La Bible dit, lève-toi et brille. Mais tu vas te lever comment? Je vais me lever comment? Je me lève par la parole. Comme la parole de Dieu, elle est la lumière. Lorsque je me lève, automatiquement, cette lumière va briller. Je vais briller. Lève-toi et brille. D'autres versions, lève-toi et sois éclairé. Lorsqu'on est éclairé, automatiquement, on reflète la lumière. La lune n'a pas de lumière. Mais d'où vient la lumière de la nuit? C'est la lumière qu'elle reçoit du soleil pendant le jour. Et la nuit, elle reflète cette lumière. C'est la loi de la réflexion en physique. Donc quand la Bible dit « Lève-toi et brille » ou « Lève-toi, sois éclairé », ça veut dire quoi? Prends la parole de Dieu qui est elle-même la lumière. Mets-la en toi, dans ton esprit, dans ton âme. Proclame-la par la bouche. Cette parole fera que tu sois éclairé, que tu brilles. Donc, que tu deviennes aussi la lumière, mon frère. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit dans Matthieu 5, 14, s'adressa à ses disciples, à ses enfants qu'il a engendrés. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Jean 8, 12, il dit, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Matthieu 5, 14, il dit, vous mes disciples que j'ai engendrés, vous êtes la lumière du monde. Comme pour dire, étant la lumière, je ne peux engendrer que la lumière. Oui, mon frère, Jésus est notre Père. Il est notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a engendrés. S'il est lumière, nous ne pouvons pas être ténèbres. C'est pourquoi il précise que nous aussi, ses enfants, nous sommes la lumière du monde. Des hommes et des femmes qui sont dans le monde.
Jésus-Christ est la parole de Dieu. Lumière. Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord acclamer ici? Acclame d'abord. Tu attends, mon frère. J'ai dit quoi? Jésus-Christ, la parole de Dieu, lumière du monde. Nous, ses enfants qu'il a engendrés, par sa, il nous donne sa parole totalement, entièrement. Par sa parole à nous, nous sommes aussi la lumière, déjà, du monde. Vous comprenez? Donc, quand la Bible dit dans Ésaïe 60 que « Lève-toi, brille », c'est-à-dire quoi? Prends la parole de Dieu. Mets-la dans ton esprit, dans ton âme. Et agis. Proclame la parole. Déclare la parole. Agis selon cette parole. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pour terminer aujourd'hui, pourquoi Dieu nous donne cette parole? C'est pour qu'on la récite seulement comme ça. Comme une récitation. Non, non. L'objectif que Dieu poursuit, c'est que, un, cette parole à nous, qui est la lumière, elle nous montre le chemin à suivre. C'est-à-dire, elle nous montre comment nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu pendant notre séjour sur la terre. L'apôtre Pierre a dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Et un pèlerin, il suit un chemin. Le pèlerin suit un chemin. Le pèlerin suit un chemin. Le pèlerin suit un chemin, le pèlerin. Et le chemin que nous suivons, il nous est indiqué par la lumière, qui est la parole de Dieu. Donc, lorsque j'ai la parole de Dieu, je ne suis pas un aveugle, non. Je ne peux pas m'écarter, non. Je ne peux que marcher sur ce chemin. Maintenant, lorsque nous marchons sur ce chemin et que nous rencontrons des obstacles, des barrières, c'est avec la même parole et la puissance du Saint-Esprit que nous affrontons ces obstacles, nous affrontons ces barrières, nous détruisons les obstacles, nous détruisons les montagnes, nous détruisons les barrières. Mon frère, est-ce que tu comprends encore aujourd'hui l'importance de la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends? Rolly, Daniel, tu comprends? Nixon, tu comprends? Ah, l'importance de la parole de Dieu. Mais vous n'avez pas dit amen? Amen. Ah, ok. Lève-toi, dit la Bible. Brille. C'est-à-dire agis, mon frère. Lève-toi, agis. Lève-toi, affronte les situations. Lève-toi, affronte la mort. Affronte le diable. Affronte les sorciers. Affronte les ennemis. Lève-toi, affronte les épreuves. Affronte les combats. Affronte les difficultés. Affronte la maladie. Affronte le célibat. Affronte la stérilité, affronte le veuvage. Mon frère, lève-toi, affronte la pauvreté matérielle et financière, affronte l'endettement. Nous levons avec la parole de Dieu pour affronter l'ennemi, pour affronter les épreuves, pour affronter les situations, pour affronter les obstacles. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi dans notre temple ici. Nous allons nous lever avec la parole de Dieu. Pour, bien aimé, je vous ai toujours dit, il n'y a pas un seul domaine de nos vies sur cette terre qui n'ait été concerné par la parole de Dieu. Tous les domaines de nos vies sont concernés, c'est-à-dire tous les combats, tous les ennemis, toutes les difficultés, toutes les épreuves. Dans la parole de Dieu, il y a une disposition. Alors, tu dois t'élever tous les jours, bien-aimé. Quand nous nous levons tous les jours, nous prions. C'est-à-dire quoi? Nous remportons la victoire. Car la parole de Dieu, elle a la puissance de tout vaincre. Il n'y a aucune puissance spirituelle, aucune situation qui peut résister, qui peut vaincre, mon frère. La parole de Dieu, il n'y en a pas. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Écoute, mon frère, nous avons dit que Dieu est lumière. Il s'élève dans nos vies par sa parole. Alors, si Dieu est sa parole, alors, qui peut résister à Dieu? Quelle puissance peut résister à sa parole? Il n'y en a pas. Donc, l'homme qui a la parole de Dieu, quand il s'élève, il ne peut que remporter. Tu finiras par remporter, mon frère. Tu finiras par vaincre. Tu finiras par
obtenir ce que tu cherches, tu finiras par détruire les obstacles. Mon frère, écoute, Dieu dit quoi à Moïse? Dieu dit quoi à Moïse? Prends ton bâton, frappe les eaux de la mer Rouge, déclare. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit quoi à Moïse? Devant les eaux du Nil, déclare. Ainsi dit l'Éternel, ces eaux doivent devenir du sang. Et ça s'est réalisé. Quand Dieu nous donne sa parole, il nous communique automatiquement sa nature. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, Exode 7, que j'ai fait de toi Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, par ma puissance, je te fais de toi un être spirituel supérieur à Pharaon. Mais comment Pharaon a exercé cette divinité, cette puissance divine? Mais comment Moïse plutôt? Comment Moïse a exercé cette divinité, cette puissance divine? Moïse l'a exercé et est devenu Dieu devant Pharaon par la puissance de la parole de Dieu dans son esprit, proclamée par sa bouche. Moïse n'a fait que répéter ce que Dieu lui a dit. Hé, mon frère, Moïse a fait quoi? Il n'a fait que tout ce que Moïse a fait. Dieu lui dit quoi? Frappe le rocher. L'eau va sortir. Il a agi en fonction de la parole de Dieu. Dieu lui dit, parle le rocher. Nous savons qu'il avait commis l'erreur, ça l'avait coûté cher. Moïse avait oublié que les miracles qu'il avait accomplis en Égypte, c'était en parlant. En proclamant la parole de Dieu. La vision d'Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel dit quoi? Je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. Mon frère, tu vois, c'est parce que tu es tellement un farceur. J'ai dit bien, tu es un farceur. Tu es un paresseux. Tu es un irresponsable. C'est pourquoi tu fuis la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu t'établit toi-même prophète. Prophète, mon frère. Dieu ne fait rien sans sa parole, sans le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui opère les miracles, qui change nos vies, qui opère les miracles, qui bénisse nos vies. Et le Saint-Esprit, il ne fait que accomplir la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et Dieu te donne cette parole. Il dit, lève-toi avec ma parole. Affronte la maladie. Tu verras qu'elle finira par partir. Non, toi tu refuses. Donc tu ne cherches pas les dispositions qui concernent la guérison dans la parole. Jésus a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui croiront en moi. Jésus dit quoi? Tous ceux qui croiront en moi. Est-ce que Jésus dit que les miracles de guérison, c'est seulement les prophètes? C'est ce que Jésus a dit? Que seulement les prophètes qui vont chasser les démons, les bishops, les archibishops, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes. Non, il a dit tous ceux qui vont croire en moi, Jésus. Voici les miracles qu'ils accomplissent. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Même s'ils boivent le poison ne va pas les tuer. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est Jésus qui dit. Alors, est-ce que toi, tu connais cette parole? Tu sais où est-ce que c'est écrit? Non. C'est pourquoi tu es derrière les prophètes. Tu ne sais pas que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a des dispositions qui concernent ta délivrance de la pauvreté. Dieu montre comment tu vas devenir riche, matériellement, financièrement. Dieu montre le chemin. Il y a les promesses qui soutiennent ces différentes étapes dans ce chemin là-bas. Toi, tu refuses. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas payer les dîmes. Tu ne veux pas donner les offrandes. Non, non. Mais tu estimes que pour avoir l'argent, il faut que j'aille chez les devins, que j'aille chez les dames. Je t'informe. Beaucoup de ceux qui sont fous sur la route ici, ils ont eu aussi la même pensée que toi. Va chercher l'argent chez les dames. Tu n'as pas encore entendu le témoignage, toi. Toi, tu crois que le diable n'est pas fou pour t'enrichir, toi. Et lui, il demeure pauvre. Non, non, c'est un menteur, il te trompe. Il te donne l'argent, toi, tu crois que c'est l'argent. Mais en réalité, il te donne la mort.
Parce que ce qu'il t'exige maintenant comme sacrifice à cause de cet argent, mon frère, toi, tu n'as jamais entendu le témoignage, toi. Tu n'as jamais entendu le témoignage. Non, il suffit d'aller telle part. Non, en un jour, tu es millionnaire en dollars. Ok, ouais, mon cher. Ouais. Mais il est écrit que c'est la bénédiction qui vient de notre Dieu. D'ailleurs, la bénédiction, c'est Dieu. Parce que là où il y a la bénédiction, il y a l'amour. Et il n'y a que notre Dieu qui aime, mon frère. Et ne s'accompagne d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Dieu ne te dira jamais, offre-moi ton fils à cause de l'argent. Jamais. Jamais, jamais. Dieu ne te dira jamais, offre-moi telle, ta femme, ton mari, à cause du travail, de l'argent qui t'est donné. Non, non. Dieu va te dire seulement, tu touches 1 million de dollars, garde 900 000, donne-moi seulement 100 000, dixième partie. Toi-même, tu vois, ce que Dieu demande comme impôt, dixième partie seulement. Toi, tu restes avec 900 000. Dieu te laisse. Il prend seulement 100 000. Tu vois comment notre Dieu, il est bon. Et quand tu as maintenant payé l'impôt là à notre Dieu, maintenant, Dieu t'amène dans Malachi chapitre 3, 10 à 12, où il te dit, en plus des 900 qui te sont restés, voici ce que je vais faire. Je vais t'ouvrir les églises des cieux, répandre ma bénédiction en abondance sur toi. Je vais te bénir au-delà de toutes mesures, c'est-à-dire des 7 semences d'argent ici. Je vais te donner, un, l'argent, deux, ce que l'argent ne peut pas te donner. Tu connais, non? La protection de ta vie. Je te répète encore aujourd'hui. Est-ce que c'est l'argent qui te protège? Non. Que je te démontre encore ce matin que l'argent ne protège pas le propriétaire. Oui, oui. Quand on vole l'argent, quand on vole l'argent, l'argent dit au voleur que non, non, tu n'es pas mon propriétaire, je refuse. Non. L'argent obéit au voleur. L'argent obéit. L'argent, vraiment, l'argent est compliqué. L'argent ne peut même pas te souffler que, attention, on est en train de me voler. L'argent, calme. Le voleur prend, il part. Et il s'en sert comme il veut. C'est Dieu qui protège, mon frère. Même le travail qui produit l'argent, ce n'est pas l'argent qui protège le travail. Ce n'est pas l'argent qui bénit le travail. Quand tu vas tomber malade, tu vas voir que tu dépenses tout l'argent. L'argent ne te dira jamais que ça ne sert à rien de me dépenser parce que je suis incapable de te guérir. Ah, mon frère, tu ne peux pas dire, mais écoute, je ne te comprends pas aujourd'hui. Écoute, mon frère, l'argent ne dira jamais au propriétaire malade que ne me dépense pas, ne loue pas l'avion pour que tu ailles en Inde, en Chine, aux États-Unis, à Paris, en Afrique du Sud. Non, non, parce que je sais que je ne saurais rien faire, tu rentreras cadavre. Donc, ne me dépense pas. Non, tu as déjà entendu l'argent dire ça. Ah, ah. D'ailleurs, c'est là que l'argent aime, parce que l'argent sait que son sort, c'est d'être dépensé. Donc, l'argent. Tu vas dépenser, l'argent ne te dit rien. Tu arrives là-bas, tu rentres maintenant dans le cercueil. Tu comprends? Quand tu meurs là, c'est toujours maintenant, on va utiliser toujours ton argent là pour payer, pour le cercueil, pour payer les documents et rapatrier le corps. Tu comprends? Et le même argent là, tu vois, toi qui aimes l'argent. Mais ce sont les autres qui vont bouffer cet argent, mon frère. Et l'argent ne leur dira jamais que non, vous. Ne me bouffez. Si vous me bouffez, vous allez mourir parce que vous n'avez pas travaillé pour me gagner. Non, non, non. Mon frère, écoute. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, épargne au ciel quand tu as l'argent. Mon cher, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour l'église de Dieu? Écoute, il y a des gens, on te dit que non, il est mort, il a laissé 50 maisons. Alors écoute, mon cher. En Europe, là-bas, il y en a. Vous voyez, les Européens sont parfois compliqués. Il n'a pas d'enfant. La femme est déjà morte. Maintenant, il est milliardaire. Maintenant, quand il meurt, il fait le testament. Le testament, là, c'est qu'il dit que non, tous mes biens, je donne à l'État. Vous comprenez un peu? C'est bien de donner à l'État. Ce n'est pas mauvais. C'est bien de donner aux hommes. Mais Jésus dit quoi?
c'est ce que tu épargnes dans son église. Mon cher, prends, donne à l'État, donne aux hommes et aux femmes, aide les malheureux, aide les pauvres, les vieillards, comme tu veux. Mais n'oublie pas la part qui revient à Dieu, à son église. À son église. Moi, j'ai béni Dieu pour cet homme qui s'est dit, j'ai 30 maisons. Très bien. Même si tu as 20 enfants, tu comprends? Même si tu as 20. Parce que là, 20, c'est que tu as battu le record, mon frère. Tu as dépassé même Jacob. Il n'y a pas de problème. Si tu donnes une maison à chaque enfant, mais tu ne peux pas prendre les 10 là. Tu vends, tu donnes l'argent à l'église, tu construis un temple. Tu pries, Seigneur, dis-moi, quelle église je peux? Tu n'as jamais, je peux aider. Tu n'as jamais entendu ce témoignage. Même toi, les pasteurs, toi, les pasteurs. On t'amène aujourd'hui une dîme de 100 000 dollars. Tu oublies d'abord que toi-même, tu dois d'abord payer, commencer par payer la dîme. Toi, le pasteur, là. Tu oublies que la première chose à faire, tu prends aussi 10 000 que tu reverses dans l'église de Dieu. Et sur les noms, tu sais, qu'est-ce que je peux encore t'ajouter? Non, d'ailleurs, Dieu m'a délivré de la location. Non, c'est bien que tu sois chez toi, pasteur, mais pense aussi à l'église de Dieu. Jésus a dit, épargne, là où les fourmis, là où les vers ne détruisent. C'est où? C'est le ciel. Et pour épargner au ciel, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous bénissons le nom du Seigneur, qu'il soit loué, qu'il soit béni notre Dieu. Nous bénissons nos amis qui sont avec nous, ce matin, Goroli, Chibanda, Daniel, ainsi que Nixon. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Vous tous qui avez écouté encore aujourd'hui la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, même notre ami qui est à la radio, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Notre prière pour vous, c'est que votre lumière jaillisse comme l'aurore. Amen, bien-aimés. Et nous rappelons à nos bien-aimés qui étaient avec nous hier. Cette année, cette semaine, nous avons dit ceci. Que nous attendons seulement ceux qui ont commencé avec nous hier. Cette semaine, je ne vous dirai jamais qu'il n'est pas trop tard. Hein, tu peux nous rejoindre même aujourd'hui. Cette semaine, ceux qui ont commencé avec nous hier, c'est à eux que je rappelle que le Saint-Esprit les attend encore cet après-midi. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, qu'il soit loué notre Dieu, que la gloire, la puissance, la louange, la victoire, la majesté lui soient rendues à jamais. Lui qui est Dieu Père, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.